Sigo tan agradecido en la cama contigo, recorriendo tu ombligo. Si no somos amigos, yo tampoco testigo. ¿Cómo vamos a volver a No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre pa' siempre estaría pa' mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres. Europe sur Sensation. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Zone Europe sur Sensation en partenariat avec TV78, un numéro spécial réalisé à Las Palmas de Gran Canaria en Espagne. Voici tout de suite le sommaire ensoleillé de cette émission. Diffuser la langue française et les cultures francophones, ce sont les missions de l'Alliance française. L'antenne de Las Palmas accueille chaque année plusieurs centaines d'étudiants. De la langue française à une meilleure connaissance de l'Afrique, nous découvrirons aussi dans cette émission la Casa Africa, les îles Canaries. Vous le verrez, c'est un pont entre le continent africain et l'Europe. Gran Canaria est une destination très gay-friendly. Ses atouts, outre son climat, la liberté, la tolérance et une vie nocturne, vous allez le voir très animé. Et puis, nous vous ferons découvrir aussi la lucha canaria, la lutte canarienne, un sport dans lequel la puissance se conjugue avec habileté. Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora es que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme. On trouve en Espagne près de 5,5 millions de francophones. Cela veut dire que 12% de la population sait parler plus ou moins français. À Las Palmas, l'antenne de l'Alliance française a été créée en 1926. Ses missions, diffuser la langue française et les cultures francophones, rencontre avec Fabienne Lenoy, sa directrice. Zone Europe. Fabienne, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que l'Alliance française ici à Las Palmas, c'est un peu le temple de la langue française dans les îles Canaries en général? Alors dans les îles Canaries, alors je ne vais peut-être pas aller si loin, parce qu'on est quand même sur deux communautés, donc il y a Tenerife et nous. Donc sur cette partie-là de Las Palmas, oui. Après le temple, j'aimerais aussi vous dire que bien sûr, l'Alliance représente le temple, mais on est quand même assez nombreux à avoir... à développer la culture française. Et c'est un bout de France ici, quelque c'est part. C'est un bout de France. C'est un bout de France parce qu'on essaye d'avoir justement des professeurs natifs. On essaye de diffuser un peu la culture française avec les livres, avec la bibliothèque, avec des films, etc. Donc oui, on essaye quand même d'être ici en France, oui. Votre première mission tout de même, c'est de faire apprendre le français, d'enseigner le français. Combien d'élèves vous avez ici à l'Alliance et de quel niveau? Est-ce que quelqu'un qui n'y connaît strictement rien en français, qui ne connaît même pas bonjour ou au revoir, peut venir ici ou alors on s'adresse quand même à un public déjà avisé? Non, c'est pour tout le monde. Donc ici, effectivement, on a entre 250 et 300 élèves à l'année. On a également un centre d'examen qui est très important. C'est le seul centre d'examen. Et puis, on a tous les niveaux. Et en général, ce que j'ai vu ici, c'est qu'en Espagne, les gens viennent déjà avec un petit niveau. Ils ont toujours eu français à l'école ou quelque chose. Il y a un lien qui existe. Il y a toujours un lien, ouais. Mais on a quand même des personnes qui viennent et qui commencent de zéro. D'accord. Donc on a tous les niveaux. Donc peu importe le niveau. Mm-hmm. Comment le français, plus généralement, est implanté ici, peut-être à Gran Canaria? C'est vrai que pour les gens qui connaissent les Canaries, ils ont sûrement entendu parler anglais, allemand, norvégien, danois. On sait qu'il y a beaucoup de gens d'Europe du Nord
qui viennent aux Canaries, beaucoup moins de Français. Est-ce que néanmoins ça intéresse les gens? Est-ce que le français est bien implanté? Ouais. Alors clairement, il y a eu une volonté politique un moment, parce que le français est enseigné dans les écoles publiques, en primaire, à partir de ce qu'ils appellent ici quinto et sexto, qui est comme le CM1, CM2, et du coup, est obligatoire. D'accord. Donc de toute façon, le français est quand même important. Ensuite, effectivement, il y a d'autres langues, mais pour le tourisme. Pour le tourisme, le français n'est pas aussi important que l'allemand ou l'anglais, évidemment. Mais apparemment, nous sommes en augmentation. D'accord. Donc les francophones sont de plus en plus nombreux, suisses, belges, français, à venir. Donc le français a un bel avenir, je pense. Et pour peut-être donner envie à certains de parler français, quel argument pourrait-on donner pour peut-être prendre des cours à l'Alliance ou tout simplement s'initier au français, même si les îles Canaries, si on regarde la distance avec la France, c'est pas tout proche. Non, c'est pas tout proche. Mais en même temps, il y a des vols. Il y a des vols directs. On en est la preuve. Oui, on en est la preuve, effectivement. Alors le français, non, c'est entre l'Espagne et la France, il y a quand même beaucoup d'échanges au niveau commercial même. Et au niveau touristique ici, il y a quand même un développement possible. Donc je sais qu'on travaille déjà avec certains hôtels, et donc pour le travail il y a quand même un débouché possible avec le français. Oui, vous-même la demande, vous le disiez, donc est en augmentation pour l'Alliance. Oui, on a une augmentation alors qui se précise sur des choses accélérées en général. Les gens veulent apprendre vite, veulent se certifier, et beaucoup veulent partir travailler en Suisse, en France, en Belgique. Ah d'accord, donc, c'est pas juste pour rester en Espagne, se développer d'un point de vue professionnel. Il y en a beaucoup qui ont un projet professionnel. D'accord, et partir à l'étranger. Oui, on travaille aussi avec pas mal de personnes qui aimeraient partir travailler en Suisse et en France, en général. D'accord, et le lien avec la communauté française ici, est-ce qu'il est développé? Il est important? Est-ce que les Français qui vivent à Gran Canaria et à Las Palmas s'investissent? T'as des liens avec eux ou pas? Alors, du tout, finalement? Alors, j'ai eu quelques liens, oui. Il y a un club de francophones en Gran Canaria, et ils font beaucoup d'activités, en fait, pour justement que les Français francophones se réunissent autour de choses comme des visites guidées, des balades, etc. C'est pas nécessairement du français et aller manger ensemble. mais c'est assez intéressant. Et donc, je les ai rencontrés. Ils sont venus faire une conférence ici. Donc, on a des liens. D'accord. Enfin, vous n'êtes pas seule, l'Alliance, dans l'écosystème français. Non, l'idée, c'est justement de créer du lien. Alors, moi, justement, j'essaie de me rapprocher de ces gens-là, et de ce club, mais également du lycée français. On a un lycée français. Oui. On a la chance d'avoir un lycée français. Également, les écoles qui sont bilingues. Il y a une école bilingue pas loin, en français. Donc, j'essaye, moi, de toute façon, d'être le centre un peu de toute cette communauté française. Le point de repère. Au niveau pédagogique, oui, surtout au niveau pédagogique pour moi, évidemment, pour l'enseignement, mais également pour les Français qui viennent et qui arrivent à l'Alliance par hasard en me demandant des conseils. Oui, touristiques ou autres. Juste pour terminer, pour revenir sur vos activités, il y a évidemment l'apprentissage du français qui est l'élément central et principal, mais pas que. On voit qu'il y a une bibliothèque, donc on peut venir ici se documenter. Il y a aussi des événements culturels qui sont organisés autant que faire se peut. Autant que faire se peut, c'est la bonne expression. Alors en fait, oui, l'idée, c'est d'avoir des... la bibliothèque, effectivement, de toute façon, est à disposition des étudiants, évidemment, du public en général, s'ils se prennent une carte d'adhésion à l'Alliance. Également le cinéma. Alors oui, nous avons la chance de travailler, comme l'Alliance travaille aussi en lien avec l'Institut français, avec le ministère. Nous avons l'accès à une plateforme de cinéma gratuitement, comme Alliance française. Et donc, nous pouvons faire des fonctions gratuites. Et on va commencer un cycle de ciné, justement, ici à l'Alliance. Et puis, sinon, nous allons aussi avoir une exposition en accord avec le CAM et la Casa Colón. D'accord. Qui va bientôt avoir lieu en mois de décembre. Donc, on commence à avoir un peu plus de vie. Donc l'idée, c'est aussi de proposer des ateliers de cuisine. J'aimerais aussi faire des ateliers sur le vin, etc., tout en relation avec la culture française. Donc on va développer ça justement cette année. Parce que l'Alliance reprend tranquillement ses activités et là, je vais essayer de développer tout ça. Et on espère que cette interview, cet échange permettra aussi de vous aider dans vos missions. Oui, j'espère également. Merci beaucoup, Fabienne, pour vos réponses. De Merci. Rien. Au revoir. Zone Europe. Un peu plus de 100 km séparent les îles Canaries du Maroc, une courte distance donc entre l'Europe et l'Afrique qui n'est pas sans conséquences sur les liens entre les deux territoires. Pour en parler, nous avons rendez-vous maintenant avec Angeles Jurado. Elle est journaliste et travaille au sein de la Casa Africa, un espace dédié, vous allez le voir, au rapprochement entre l'Espagne et l'Afrique. Zone Europe.
Angele, hola, bonjour. Hola, bonjour. Comme je disais avant, cette maison, Casa Africa, ce lieu si particulier, a été créé pour favoriser les liens, les connexions, les interconnexions entre d'un côté le continent africain, les îles Canaries et l'Espagne. C'est comme ça, c'est son but, son objectif, c'est de faire cela. Oui, le leitmotiv de la Casa Africa, c'est d'ailleurs ça. Espagne, Afrique, toujours plus proche. Ce que nous essayons de faire, c'est de favoriser les contacts entre les deux territoires et les connaissances mutuelles, et ce, à travers tous les domaines. L'art, la culture, l'économie, la géopolitique ou encore les échanges académiques. Les îles Canaries font partie, si l'on se place d'un point de vue géographique, du continent africain. Il est donc nécessaire que l'on se connaisse mieux. Et quelles actions vous menez, vous, au quotidien, ici, à Casa Africa, pour remplir vos missions? J'ai vu sur Internet, on voit sur votre site que il y a plus de 200 événements qui sont organisés chaque année. C'est quelque chose tout de même d'important. Oui, et encore cette année, nous n'avons pas été particulièrement actifs. D'ordinaire, nous organisons chaque année entre 400 et 600 activités. L'an passé, c'était près de 660. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu une réunion de femmes espagnoles et africaines qui travaillent dans le secteur maritime. Et cet après-midi, nous aurons une représentation de danse classique et la diffusion d'un documentaire. Nous venons également de passer 4 jours à Madrid pour une rencontre entre journalistes africains, espagnols et européens. En ce moment, nous avons aussi 2 expositions ouvertes au public. L'une sur le travail de Yuran Enrique, un artiste capverdien, et une deuxième sur un projet qui s'appelle Enseigner l'Afrique. Enfin, non seulement nous organisons des événements ici aux Canaries, mais aussi dans la péninsule ou sur le continent africain quand nous avons la possibilité de le faire. Ici, il y a aussi, on le voit, vous le disiez, des expositions. On voit que la culture, c'est quelque chose de très important que vous essayez de favoriser pour créer des liens. Il y a une médiathèque, il y a un club de lecture. La culture, c'est un moyen très efficace, au-delà de l'économie, la politique, pour créer du lien entre les deux continents, parce que les îles Canaries font partie de l'Europe, et puis le continent africain, qui est juste en face, à une centaine de kilomètres. Je crois que la culture est probablement le meilleur modo de acercar a la gente. La culture est, à mon avis, le meilleur moyen de rapprocher les gens. Au sein de la Casa Africa, nous travaillons beaucoup grâce à des expositions, du théâtre, de la danse ou de la musique. Ce sont des activités qui plaisent beaucoup au public. Quant à la littérature, cela me semble être une manière merveilleuse, bien que peu valorisée, pour apprendre à connaître l'autre. Nous avons un club de lecture qui a 100 et plus personnes en elle. Il y a des gens qui se connectent. Nous avons un club de lecture auquel participent une centaine de participants et des centaines de personnes qui se connectent du monde entier. Colombie, Cuba, Équateur et de la péninsule, etc. Débattons sur ce livre, mais non seulement faisons ça, mais que l'année passée, par exemple, nous fuimos de viaje cultural, siguiendo las huellas de Camarada. Une fois par mois, nous lisons un livre d'un auteur africain dont nous parlons et débattons ensuite. Aussi, nous essayons, quand cela est possible, d'organiser des voyages culturels. L'an passé, par exemple, nous avons été en Côte d'Ivoire et cette année, nous aimerons bien aller en Guinée. Nous allons faire des commis à restaurants africains ou cuisiniers africains qui nous enseignent à algún plateau et nous faisons un montant de choses différentes. La médiathèque est merveilleuse, est probablement. Notre médiathèque est l'une des meilleures qui existent en espagnol, mais pas seulement, puisque nous avons aussi des ouvrages en français, portugais, anglais, arabe et en langues africaines comme le Wolof. Et non seulement est un site pour étudier, pour coger. Cette médiathèque n'est pas qu'un lieu d'étude ou de recherche, mais aussi un espace où est organisée une multitude d'activités. Il y a peu de temps, nous avons organisé un cours en ligne et en présentiel de Wolof. Pour les bibliothécaires, pour la société civile. No sé, buscamos todas las maneras posibles de acercar a la gente. Est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, qu'il y a aux Canaries un peu d'Afrique, une part de la vie africaine, du mode de style de vie de africain qui existe et qui est implanté ici aux Canaries? De hecho,
En fait, les premiers habitants des îles Canaries venaient du nord de l'Afrique. Il y a donc en chacun d'entre nous une racine africaine. Et puis, si vous examinez le profil génétique de chacun des habitants de Grande Canarie, par exemple, il y a beaucoup d'influence en Andalousie et du sud du Sahara. Géographiquement et génétiquement, nous sommes donc africains. Plus généralement, la façon dont nous gérons nos relations avec les autres, notre hospitalité, notre culture orale ressemble beaucoup à ce qui se fait en Afrique. D'ailleurs, quand des Africains viennent dans les îles Canaries, ils se sentent un peu comme chez eux, même si malheureusement, il peut y avoir du racisme parfois. Est-ce que vous pensez qu'ici, du fait de ces liens-là et de cette histoire qui est tant liée entre les deux territoires, qu'il y a moins de clichés, moins d'affaires de racisme, moins de problèmes liés sur les populations africaines ou pas finalement? Je crois que... Le racisme est inévitable en Europe, mais il est vrai qu'ici, à Las Palmas surtout, grâce à l'activité du port et du tourisme, nous sommes habitués à voir des populations différentes qui se côtoient. Sur l'île, il y a une communauté mauritanienne importante, mais aussi marocaine ou sénégalaise. Il y a une connexion avec le Japon, l'Inde, la Corée du Sud ou bien évidemment l'Amérique du Sud. Tous ces mélanges nous permettent d'avoir une sensibilité différente du métissage. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille ou une connaissance qui a vécu à l'étranger ou qui vit, et cela nous aide à mieux saisir le sujet migratoire. Nous comprenons pourquoi les gens cherchent une vie meilleure. Muchas gracias, Angele. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces informations sur la Casa Africa. Des Français estiment que les personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles devraient avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Les Espagnols sont quant à eux 91% à le penser. Alors, l'homosexualité est-elle plus facilement acceptée en Espagne? Reste-t-il des combats à mener? Pourquoi Gran Canaria est-elle devenue une destination très prisée par la communauté LGBT? J'ai rendez-vous avec Jennifer Molina pour évoquer toutes ces questions. Elle travaille pour le collectif Gamma, très impliqué sur le sujet depuis presque 30 ans désormais ici. Zone Europe. Tout d'abord, Jennifer, est-ce que vous pourriez nous présenter le collectif Gamma et son histoire? Ça fait presque 30 ans, je crois, désormais que vous existez. Pourquoi et dans quel contexte l'association a-t-elle été créée? Gamma est le collectif LGBT de Canarias. Gamma est le collectif LGBT des îles Canaries. Le terme gamma signifie ça suffit en langue aborigène. L'association a été créée en 1994 dans un contexte socioculturel et sociopolitique où il n'y avait pas d'espace pour les personnes LGBT. Il nous a fallu donc lutter pour obtenir nos droits comme tout le monde. Quelle est aujourd'hui la situation des personnes LGBT ici aux Canaries? Comment va la cosa?
Je pense qu'il faut prendre en compte la situation dans laquelle nous étions et où nous allons aujourd'hui. Quand Gama a été créé, il y a presque 30 ans maintenant, il y avait déjà des actions qui étaient menées. La première manifestation LGBT s'est tenue par exemple à Tenerife en 1978. Pour autant, nous étions dans un territoire où il y avait beaucoup de souffrance en ce qui concerne la diversité sexuelle. Il existait encore à cette époque en Espagne des lois qui punissaient l'homosexualité. À Tefia, sur l'île de Fuerteventura, il y avait un camp d'enfermement pour les personnes LGBT. Nous cohabitons d'ailleurs aujourd'hui avec des personnes qui ont été emprisonnées pour leur orientation sexuelle, qui ont connu des persécutions policières et qui sont aujourd'hui très impliquées dans le collectif. Depuis, nous avons beaucoup avancé, que ce soit aux îles Canaries ou en Espagne. Nous avons obtenu le mariage pour tous en 2005, la première loi pour les droits des transsexuels en 2007 aux Canaries. Nous avons même notre propre législation sur le sujet avec une première version en 2014 et une nouvelle loi votée en 2021. Et plus récemment encore, au niveau national, nous venons d'adopter cette année une nouvelle loi pour l'égalité en faveur des personnes LGBTI. On peut donc dire que nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons dorénavant beaucoup plus de visibilité, davantage de défense de nos droits, un soutien social important, mais cela ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y a plus de discrimination. Et quel type de situation encore vous avez ici, d'homophobie, transphobie, biphobie? Est-ce que vous avez des exemples récents à ce propos? Claro, hay que tener en cuenta que hay ciertas situaciones discriminatorias que no son delitos de odio, pero hay ciertas situaciones que sí. Nous faisons face aujourd'hui à des discriminations qui ne sont pas considérées comme des délits. El Ministerio del Interior de España sobre delitos de odio se ve que en Canarias. Et d'autres qui le sont. Selon les chiffres publiés récemment par le ministère de l'Intérieur d'Espagne, aux îles Canaries, le nombre de délits a augmenté l'an passé par rapport à l'année précédente. Fueron 18 hechos conocidos, 13 fueron solo en la provincia de Las Palmas, que incluye Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Au sein du collectif, nous avons l'impression qu'il y a une régression dans la perception qu'ont les gens des droits des personnes LGBT, surtout depuis les débats qui ont lieu autour de la loi sur l'égalité. Nous observons une résistance au niveau de la société, mais aussi au niveau politique, avec des discours fermes et régressifs de la part des partis de droite et d'extrême droite. Il y a des situations inquiétantes dans le système éducatif, sanitaire ou dans la société plus généralement. Hier, par exemple, on nous a retiré les drapeaux qui sont à l'entrée de notre local. C'est un geste bien sûr discriminatoire. Hier, par exemple, les banderas que tenemos fuera, pues nos las rompieron. Dans ce programme, on aime beaucoup parler des sujets liés à l'Union européenne. On a ici on a Eurobaromètre, un sondage de la Commission européenne qui dit que l'Espagne est l'un des pays les plus avancés sur le sujet des droits des personnes LGBT. 91% des Espagnols disent qu'ils doivent avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. C'est plus qu'en France, 85%, Allemagne, 88%, Italie, 68% et Slovaquie, 31%, qui est le pire des pays. Est-ce que ça vous surprend, vous, de voir que l'Espagne est un pays si avancé d'un point de vue européen ? Non, ça ne me surprend pas. Finalement, grâce au travail et aux efforts des associations et collectifs LGBTI en Espagne, nous obtenons des avancées, que ce soit au niveau légal, social ou tout simplement pouvoir vivre sa vie de manière libre. Je suis fière de vivre en Espagne, dans un pays où les personnes LGBTI jouissent de leur espace, même si nous savons qu'il y a encore de l'homophobie. Évidemment, nous sommes aussi conscients de ce qui se passe en Europe. L'Italie, par exemple, se trouve avec de tels sondages aussi à cause du gouvernement de droite et d'extrême droite qui dirige le pays. C'est pour cela que l'on ne peut accepter qu'un tel gouvernement arrive au pouvoir en Espagne, parce que cela s'accompagnera nécessairement d'un recul de nos droits. Et à l'intérieur de l'Espagne, c'est vrai que les Canaries paraissent être une terre d'accueil pour les personnes LGBT. Pourquoi les îles Canaries ont cette image et pourquoi les gens viennent ici pour tout simplement vivre leur vie comme ils l'entendent?
A ver, yo creo que son varios los factores que nos han llevado a que Canary... Les raisons qui ont permis aux Canaries d'être identifiées comme une destination accueillante et bienveillante pour les personnes LGBT sont variées. Ou majoritairement respectueuse. Mucho tiene que ver con el activismo, todo lo que hemos hecho para beaucoup tient d'abord à l'engagement et à l'activisme et tout ce que nous avons fait pour que les Canaries soient un espace respectueux de chacun. De tantos años en Canarias también de reconocer el sufrimiento que ha habido. Au niveau culturel également, nous avons agi pour reconnaître les souffrances qui ont été endurées ici. Estar tan lejos de Europa, pero a la vez estar tan desconectadas. La distance aussi nous aide. Être aussi loin de l'Europe nous permet quelque part de nous construire loin des mauvaises influences grâce à notre propre identité canarienne. Les politiques de tourisme ont investi en conseguir que Canarias soit un destin touristique. Ensuite, il y a la politique touristique qui nous permet d'avoir des personnes qui viennent de toute l'Europe. También es espacio de refugio porque hay personas LGTB que huyen de sus países de origen y llegan a Canarias. Enfin, les îles Canaries sont aussi un refuge pour beaucoup de personnes obligées de fuir leur pays du fait de leur sexualité. C'est quelque chose évidemment que nous appuyons et que nous mettons en avant. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous vous faites au quotidien pour aider les gens qui en ont le besoin? Qu'est-ce que vous faites? Des ateliers, des événements? On a pu noter sur le site internet que 1000 personnes avaient été prises en charge par vos soins en 2022, surtout de l'attention sociale et puis psychologique. Nosotros trabajamos en dos líneas. Por una parte, notre collectif a deux objectifs. Prevención. Y para ello, pues, desarrollamos distintas actividades a nivel. Premièrement, nous agissons sur tout ce qui concerne la prévention. La organizadora de l'orgullo LGTBI de Las Palmas de Gran Canaria. Nous organisons des activités à tous les niveaux. Nous sommes notamment en charge de la marche des fiertés ici à Las Palmas. Nous sommes aussi présents au niveau politique pour faire en sorte que des lois qui renforcent nos droits soient adoptées. Ensuite, nous intervenons directement auprès des personnes LGBT et leur environnement. De 10 personnes de distintas disciplines, du travail social, de la psychologie. Gamma dispose d'une équipe de 10 personnes dédiées à cela, travailleurs sociaux, psychologues, personnes chargées de l'insertion ou de faire de la communication. Nous pouvons offrir différents services aux personnes qui ont le besoin. À la gente joven y a niños y niñas. Formamos a profesionales para que el impacto no solo quede en nosotras. Évidemment, nous intervenons en extérieur pour sensibiliser, par exemple, les élèves. Nous formons des professionnels dans l'éducation ou la santé pour qu'ils puissent être sensibilisés aux sujets que nous traitons et que les lieux dans lesquels ils travaillent soient des lieux sûrs pour les personnes LGBT. Trabajamos en esas vías, la prevención a distintos niveles y la intervención directa por eso, porque se dan todavía situaciones de discriminación que requieren que las personas tengan un espacio seguro y tengan respuestas ante sus demandas. Et puis si les gens veulent s'investir, ils peuvent se rendre sur votre site internet collectivogamma.com. Merci beaucoup Jennifer pour vos réponses et pour toutes ces informations concernant votre collectif. Merci beaucoup. Muchas gracias. Zone Europe. Allez, partons maintenant à la découverte d'un sport traditionnel qui nécessite plus d'habileté que de force, la lucha canaria, la lutte canarienne. Pour l'emporter, il faut réussir à déséquilibrer et faire tomber son adversaire. Rien que sur l'île de Gran Canaria, une quinzaine de clubs sont recensés. Hector Romero est le vice-président du club de lucha de Guantánamo. Il m'attend pour une présentation. Zone Europe. Bonjour Hector, tu es toi professeur de lutte canarienne. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est la lutte canarienne et en quoi ça consiste? Oui, en effet, je suis entraîneur. J'ai commencé la lutte canarienne à 13 ans et j'ai aujourd'hui 40 ans. Cela fait donc de nombreuses années que je pratique ce sport. La lutte canarienne n'existe qu'aux Canaries et se caractérise par sa noblesse, bien que ce soit un sport de contact et de lutte. À la différence du judo ou de la lutte gréco-romaine, il n'y a pas de catégorie selon le poids. C'est aussi un sport historique, ça fait longtemps qu'on le pratique aussi aux îles Canaries. Oui, la lutte canarienne nous vient des aborigènes. Il y a des livres, des clichés qui montrent très bien cela. Est-ce que tu pourrais, Hector, nous expliquer un petit peu ce que sont les règles basiques de la lutte canarienne? C'est vrai qu'on n'est pas forcément spécialiste en France, on ne connaît pas très bien le sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les règles basiques?
En tant que sport de contact et de prise, l'objectif est de déséquilibrer son adversaire pour qu'il touche le sol avec une partie du corps qui ne soit pas la plante des pieds. Dès que c'est le cas, le lutteur qui a fait tomber son adversaire marque un point pour son équipe. C'est très différent là-dessus du judo parce que, si je comprends bien, à partir du moment où une partie du corps touche le sol, au-delà des pieds, bien sûr, on perd son combat. Oui, c'est une différence importante avec le judo, où on peut marquer des points grâce à des prises sans gagner directement le combat. Au judo, on peut aussi rester au sol pour bloquer son adversaire ou le mettre sur le dos. Dans la lutte canarienne, on doit rester debout. Et dès qu'une partie du corps touche le sol, on perd son combat. Comment se déroule une saison classique de lutte canarienne? Il y a des combats chaque fin de semaine. Comment se déroule une saison classique de lutte canarienne? Comme dans beaucoup de sports, nous avons d'abord une pré-saison. Aujourd'hui, par exemple, nous organisons une rencontre amicale pour présenter nos équipes et notamment nos meilleurs lutteurs à notre public. Ensuite, nous aurons un championnat composé de plusieurs phases. Il y a trois tournois, une ligue locale, une coupe locale et une ligue régionale pour les meilleures équipes. À la fin, c'est un peu comme la Ligue des champions pour le football. Et ici, on a des champions de lutte canarienne en este club. Oui, nous avons un très bon lutteur qui vient de nous rejoindre depuis Tenerife. J'espère qu'avec lui, nous obtiendrons de bons résultats et que nous pourrons remporter la Ligue cette saison comme nous l'avons déjà fait par le passé. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 17 clubs sur l'île de Grande Canarie. Est-ce que c'est difficile de maintenir un peu cet esprit très typique de la lutte canarienne, de pousser les jeunes à s'engager à faire de la lutte canarienne? Oui, en effet, nous avons sur l'île de Grande Canaria 17 clubs de lutte canarienne et il est vrai qu'il est difficile de pousser les jeunes à s'engager dans ce sport parce que nous faisons face à la concurrence du foot, bien sûr, mais aussi du basket, du judo, de la boxe. Notre sport est un peu moins visible et nous essayons d'attirer comme on peut les jeunes. Aujourd'hui, on a pas mal de filles alors que, historiquement, c'est un sport masculin. Notre club a aussi toujours été connu pour être un vivier de talents. Est-ce que tu peux nous dire aussi si ce sport-là, la lutte canarienne, est un peu victime de clichés qui font que les gens ne s'inscrivent pas parce qu'ils estiment que c'est un sport de brut et qu'il manque un peu peut-être de complexité ou autre? L'une des caractéristiques de ce sport est liée au poids. Ici, nous avons des lutteurs qui pèsent plus que d'autres et c'est vrai que c'est un avantage par rapport à d'autres sports de contact. Tout le monde peut s'affronter. La devise principale de la lutte canarienne, c'est « le grand a perdu, le petit a gagné ». Et c'est vrai aussi que des enfants qui n'entrent pas dans les cases de taille ou de poids dans d'autres sports peuvent trouver leur place dans la lutte canarienne. Dans la lutte canarienne, il n'y a pas de discrimination selon la taille ou le poids comme dans d'autres sports. Nos portes sont ouvertes à toutes et à tous. Merci beaucoup Hector. Et puis maintenant, on va profiter un peu de voir ce que c'est vraiment la lutte canarienne avec ces quelques démonstrations. Merci beaucoup Hector. Merci à vous pour vous préoccuper de la lutte canarienne et les invite à tous que vous puissiez voir. Si. Oh!
Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV 78. À très bientôt et bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.